Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, normalement vous avez déjà vu le vlog un mois avec moi à la moisson. Malheureusement il a été supprimé par YouTube. Bon, pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, il est juste après. Il y a plein de passages que j'ai enlevés pour être sûr qu'il ne soit pas resupprimé. J'espère que ça vous plaira quand même. Et au fait, merci pour les 1000 abonnés, on les a passés ce matin. Bonne vidéo. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là on est le 13 juillet, on est en plein dans les blés, mais avant les blés il s'est passé beaucoup de choses. Donc petit retour en arrière sur tous les préparatifs et toutes les premières cultures qu'on a moissonnées. Allez c'est parti, bonne vidéo. Bonjour à tous, on est le 23 juin, je m'entraîne pour la moisson à me placer avec le transborder sous la benne qui sera un futur camion. Le transborder est rangé et avant tout, lundi et mardi avant la moisson j'ai 2 jours de brevet. Bon, petit bond dans le futur pour ceux qui se demandaient, j'ai eu le brevet avec mention vient. Allez, je vous mets la suite de la vidéo. Mercredi qui suit, on va essayer ça. Bonjour à tous, on est le 25 juin. Aujourd'hui on va essayer de moissonner les pois. Donc c'est la première fois qu'on sort la moissonneuse de l'année. On va faire un échantillon et on va voir si c'est bon. Donc là il y a un champ de pois, l'autre est là-bas. Charger les releveurs, je viens voir si la case est prête. Ouais, un petit coup de balai à passer et on va vider ça là. Ouais, voilà, on a terminé la journée, on vient de ramener la machine, on va lui faire un coup de plein. Il y a quelques semaines, j'ai rajouté 2 petits flashs à l'arrière. Ça y est, le frère est rentré, il a déchaumé les 2 champs de pois. Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 26 juin et je viens de sortir du brevet. Le professeur de chantier est arrivé pour l'été pour souffler la moissonneuse. Bon, encore changement de programme. Il y a le tracteur qui est à la grosse peine, le 7R sur la Roland. Il est en panne et du coup il nous manque un tracteur, faut que je redételle le transborder. Allez, c'est parti! Moisson 2023, attaqué. Ouais, hop, la lection là, elle est donc allée aux orges, aux escourgeons. Donc on va vider en roulant. Allez, c'est parti. On est le 27 juin, je viens de sortir du brevet, donc c'est fini. Et donc, je vais racler le fence sur le transborder. Et c'est parti! Bon, c'est bon, c'est attelé. Je le sors, je fais un coup des essais. Et du coup, demain, mon premier camion, c'est à 15h. Donc avant 15h, je vais m'entraîner un peu avec du... prêt. Donc j'ai rajouté quelques trucs, j'ai remis une petite pelle à l'arrière, les sanglés, et puis au moins si les premiers camions ou les bennes j'en mets à côté, bah on va pas le laisser dans le champ. Puis voilà, je fais ça un petit coup de soufflette partout, c'est un peu plus propre. Bon, c'est bon, ce matin du coup on a amené le transborder avec le grand-père,
on vient de faire l'entretien de la moissonneuse, on l'a soufflé et on a rempli le graissage centralisé. Et j'ai installé un petit support téléphone dans la moissonneuse. Donc cet après-midi, on attaque. Bon allez, des mois que j'attends ça, le jour est arrivé. Donc mon premier camion, il est à 13h30. Il est midi 15, donc je vais m'entraîner avec des bennes en attendant que le camion arrive. Il était presque plein, on a encore la mise en route. Donc du coup il remplit en direct. Et moi je vis dans la benne. Oh là, je suis content. Je vais commencer maintenant, c'est la parcelle juste derrière moi. Deux petits champs et là on attaque le grand champ juste derrière. Voilà. Dans le 7000 avec la Deke Claire. Donc on avait du grain dans la fosse à la ferme. On est allé le remettre au silo. Et donc on est revenu vers la moissonneuse. Donc j'étais pas là quand ils l'ont soufflé ce matin. Mais là je vais faire un coup les carreaux. Et après il faut que je fasse le plein dans le tracteur. Allez. Ça y est, j'ai allumé les phares, prêt à attaquer la nuit. Je vais même allumer la petite guirlande.
a refini le champ, mais bon, on a toutes nos bennes qui sont pleines. C'est bon, la coupe est clée. Maintenant, on range tout à la ferme. Bonjour à tous, donc il est 15h30. Malheureusement, on n'a pas pu tourner ce matin, il a plu cette nuit. Donc on a bricolé quelques trucs à la ferme. Je vais pas vous filmer, la caméra était dans le tracteur. Et du coup, on est revenu cet après-midi. Donc papa, il coupe la moissonneuse juste là-bas. On le voit au loin. Et moi, je suis en train, donc là, c'est le support gyrophare. Et je suis en train de mettre une rallonge pour pouvoir mettre la caméra sur ce boule un peu plus haut pour voir l'intérieur des camions, parce que la caméra en bout de vue, c'est pas le bras. Donc voilà, je suis en train de bricoler ça. Bon voilà, je l'ai mis. Bon, c'est pas assez provisoire, de toute façon. C'est juste pour la moisson, après je redémarre. Bon voilà, la caméra est mise. Maintenant, un petit coup de graissage partout. Allez, c'est parti. J'ai graissé un coup. J'ai graissé un coup la chaîne qui permet d'entraîner les deux vis, donc la vis du fond et la vis de vidange. Bon, bonjour à tous, aujourd'hui on est 2 juillet. Bon, on va pas sortir de transborder parce qu'on va essayer du colza dans une grosse pente. Mais donc là, on va chercher le Sherwood Coupe avec le télescopique. Donc je suis papa avec la moissonneuse. Donc le transborder, bah, il reste au garage. Allez, c'est parti. Bon, papa il est encore en colza. Je viens de récupérer le transborder. Il reste un autre champ d'orge à faire. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, champ de colza juste terminé. C'était le champ juste là-bas, là, tout là. Voilà. Et donc il y a la moissonneuse qui arrive. Et on va moissonner le champ qui est là. Bon, champ terminé. On va en rattaquer un autre. Donc on a plus de benne, on est obligé de s'arrêter. Mais c'est pas grave, on continuera demain. Allez, à demain. Bon, malheureusement, il annonçait pas de pluie, mais il pleut. Donc on est un peu dégoûté. On va pouvoir couper aujourd'hui. Bon, du coup, il a bien plu. On va pas pouvoir moissonner cet après-midi. Mais du coup, on va ramener la moissonneuse dans notre ferme. À rentrer, du coup on rentre à la ferme. Donc le Sherwood Coupe, on vient de le mettre là, on le ratait à la moissonneuse, puis il y a le transborder là-bas. C'est le stagiaire qui le ramène à la ferme parce que moi j'ai pas l'âge. Du coup, comme il a plu, bon là il fait soleil mais c'est en train de sécher, on fait un peu d'entretien à la maison avec le cousin. Donc là tout est chargé. On est le 4 juillet et aujourd'hui, normalement, on moissonne. Donc on va moissonner un champ juste dans la côte derrière la ferme. Là, on va descendre le fence à l'aire de lavage. On va passer un coup de
Le karcher sur les carreaux, je vois plus rien à travailler. C'est pour laver un petit coup les ailes, qu'il brille un peu, qu'il soit tout beau quoi. C'est bon, les carreaux sont presque finis, Tintin est fini. Et moi, il reste un fond d'orge dans la pose, donc je le mets dans la benne. À l'avant, allez c'est parti. C'est toujours le fameux stockage, ça peut changer. Ça va. C'est l'invention que vous verrez. Ou bon, sans doute dans la vidéo. Et vous découvrirez ce que j'ai fabriqué cet hiver. Donc là c'est parce que c'est sur stockage. Donc là ça emmène au stockage. Donc là comme je veux que ça vide dans la benne, ça vide dans la benne. Et c'est parti quoi. Bon, malheureusement, commence à pleuvoir, on a bien le voit sur le tracteur. Je suis deux fois plus dégoûtée. Ce matin on l'a lavé et nettoyé, il a la paille qui est coulée partout. Et puis on est obligé d'arrêter encore une fois. Bon ça y est, le soleil est de retour. Ça fait une bonne vingtaine de minutes qu'il y a du vent. Donc ça a bien séché, heureusement. On peut rattaquer. Il annonce de la pluie à 19h. Il est 18h42, on espère finir avant la pluie. Bon, c'est bon, on est rentré. Bon, on enlève tout le matériel là. Ce matin, il y a un camion qui vient chercher les pois qu'on a récoltés en début de vidéo. Bon, comme je vous l'ai dit, un camion qui va pas tarder. Bon bah voilà, ça c'est fait, c'est vide. Bon, on a attelé le compresseur, on a fait un coup de plein, puis on va souffler un coup la coupe là-bas. Allez, c'est parti. La coupe, papa a pris le relais, maintenant il souffle la moissonneuse. Normalement on souffle pas la coupe tous les matins, mais comme hier il a plu, tout est dégueulasse. Là on va bien tout souffler et après on passera un petit coup de karcher avec de la brosse, parce qu'on voit plus rien du tout à travers les carreaux. Bon, ça y est, on a fini de manger, on attelle la coupe. Champ d'escourgeon, après on attaque les goldoy puis après le blé. On attaque un champ de colza de combien d'hectares? 11. 11 hectares. Voilà, c'est coupé bas, mais toutes les fourrières et tous les coins, comme le broyeur était là, on en a profité, on a mis un petit coup comme ça, c'est bien propre.
Trésor. Donc là, je viens en roulant. Aujourd'hui on est le 8 juillet, donc hier on n'a pas pu tourner, il a plu, mais là il y a un grand soleil et il est que 10h, on va essayer d'aller couper. Parcelle là, donc on a fait la parcelle là-haut là, que papy a déjà commencé à déchaumer moitié, puis on vient de finir celle-là. Donc il est 21h, on voulait tourner plus tard mais ça commence déjà à faire de la litière. Et bonjour à tous, donc c'est le 9 juillet, on pensait tourner cet après-midi mais il se met à pleuvoir et apparemment il pleut pendant une bonne demi-heure, donc à mon avis c'est mort pour aujourd'hui. Allez, à demain. Bon, ça y est, on est le lendemain de ce que vous et il fait un grand soleil, on va enfin pouvoir attaquer. J'essaye d'entretenir mon tracteur le mieux possible. Donc je passe un petit coup de soufflette, un petit coup de bombe plastique. Là tout est là, là. Comme ça c'est à peu près propre. Et la petite technique pour nettoyer le tapis de sol là, dédicace à Lucas Agri sur YouTube, vous pouvez aller voir sa chaîne, qui m'a donné la petite technique pour faire briller le sol. On prend un petit chiffon microfibre, on le mouille, on frotte ça un petit coup et après c'est tout propre, ça brille. Faites comme le cœur. Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 11 juillet et ce matin on fait un petit peu de TP. Et maintenant on va attaquer les blés, donc c'est le taco là, qui me l'emmène au champ et la moissonneuse est juste devant. Allez, c'est parti. Bon, c'est bon, on est arrivé, je suis enfin en volant, le taco il m'a laissé sa place et donc on vient d'attaquer les blés. À l'autre champ. Ça y est, il est 23h. Là, on est en train d'essayer de placer la coupe pour demain, savoir où on peut la mettre pour pas la ramener à l'hangar soir. Comme ça, demain matin, pour un petit champ de 2 hectares, elle sera remise. Et bah voilà. Allez, à demain. Aujourd'hui, on est le 12 juillet, il est 9h. Là, on fait un coup de plein de la cuve pour aller faire après le plein de la moissonneuse. Bon, ça y est, on est arrivé au champ. Donc, il n'y en a pas pour longtemps, c'est un petit champ de 2 hectares. Et après, on a un autre champ de 15 hectares, un peu. Bon, ça y est, on vient de terminer le champ. Là, on se dirige dans l'autre champ. Et j'ai déjà rempli la roulant, elle vient de partir au silo. Puis le camion vient d'arriver, donc je vais charger le camion. Voilà, allez, c'est parti. Donc j'essaie de mieux en mieux m'en servir, je vais vous expliquer comment.
comment ça marche. Donc du coup quand j'arrive, donc je déplie la bulle avec le distributeur bleu. Donc après j'allume ma prise de force avec le go. Je mets mon régime moteur, ce qui me fait monter la, le régime moteur pour que la prise de force tourne à 540. Puis après j'ouvre la trappe. Donc c'est le petit vérin qui est là. Il y a un petit vérin qui ouvre la trappe au fond. Et donc après, je regarde à l'écran parce que là je vois pas du tout. C'est l'écran, je rate tout et c'est lui qui m'indique quand faut que j'avance. Bon, ça y est, le chant est terminé. Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 13 juillet et on va entretenir la moissonneuse. Donc là, je cherchais le compresseur pour la souffler. Bon, ça y est, le point champ de poids juste derrière moi est terminé, donc il faisait 5 hectares. Détourer le champ de 28 hectares, donc on va en manger ça cet après-midi. Bon, ça avance, on a déjà fait tout ça, donc j'ai déjà fait 5 camions, là je suis en train de finir mon 5e. Bon, du coup je remplis que des petites bennes, donc on a deux petites bennes, la ferme elle est pas loin, parce que les hangars ils sont pas très grands, donc on vit avec les grosses péniches à bord, donc au moins les petites. Vidéo, ce que vous venez de voir au début, ça a été tourné aujourd'hui. Bon voilà, je viens de remplir la benne rouge, mon transbordeur m'en reste dedans, il m'en reste plus de moitié, mais il finit sa passée, il me le fout dedans et demain on le videra au bâtiment. Là ça voulait pas le coup, il est déjà 11h et la paille ça commence à faire une litière, donc ça suffit pour ce soir, il me met ça et on remballe. Allez, à demain. Aujourd'hui on est le 14 juillet, il est 10h et on continue le chant qu'on avait commencé hier soir. Ce matin je vous ai pas filmé parce que c'est tout le temps pareil, mais j'ai soufflé le tracteur, j'ai lavé les carreaux et j'ai fait la cabine. Bon, j'en ai marre de tout le temps refaire le sol, donc maintenant j'enlève mes chaussures, c'est bon, j'en ai marre. Puis c'est propre au moins. Il est midi et demi, donc là on attaque un autre chant. Bon, ça y est, le champ est terminé. Enfin, après, ça reste une petite bande. La voilà. Terminé, il est 11h30, à demain. Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 15 juillet. Bon, ça se voit plus mais il a plu, donc ils vont pas couper aujourd'hui, mais ça n'empêche qu'il faut quand même que je prépare le stockage. Il y a déjà deux bennes qui sont au fond, il flotte. On espère qu'on va couper demain, mais là ça flotte plein quand même. Bon, du coup, pendant qu'il finit de pleuviner, je vais vous présenter ce que j'ai fabriqué cet hiver. Donc, le grain, il tombe de là-haut, mais tout droit, donc au milieu, à peu près vers le pousseur. Donc après, ça nous oblige à faire pousser
au fond ou tout tirer devant. Sauf que le problème, c'est quand on tire, le pousseur, il est pas assez long. Quand il y a les planches, et du coup, on n'arrive pas, on pourra en mettre encore plus. Donc, du coup, j'ai réglé le problème hiver, j'ai fabriqué ça. Donc, là, les engoches ici, ça se met sur le pousseur. Bon, vous allez mieux comprendre, vous, l'athlète, vous allez comprendre. Donc voilà, c'est fait pour s'atteler comme ça. Et du coup, avec le pousseur, hop, je monte, je fous la tôle juste en dessous, le grain il tombe, tac, il va au fond du corps. Je l'attelle dans l'autre sens, il va devant. Mais vous le verrez marcher. Donc, du coup, comme il a plu, ce soir, on va aller un petit coup au motoball. Aujourd'hui on est dimanche 16 juillet, donc il a plu ce matin et hier, et on voulait couper un champ, donc on a commencé, on a fait un échantillon et la moissonneuse annonçait 15, donc on a dit c'est bon on y va. Ils viennent d'aller au silo il y a 16-17, donc on va attendre un peu que ça sèche. Donc, du coup ça fait, ouais, on a attendu plus de 2 heures, on est revenu voir, ça allait pas, donc on voulait remoissonner, mais c'est l'histoire de juste remplir la benne et à mon avis ça va être encore trop humide. Comme nous, donc on peut pas couper sur l'autre site, et ben on est venu là. Et Rémi va vous expliquer pourquoi. Bah, on est dans une axiale parce que c'est la deuxième machine qu'on a avec des collègues. Et que comme elle est dans nos champs, et ben c'est moi qui ai venu la conduire. On fait un peu de mécanique. Il y avait un capteur sous la coupe qui était cassé. Donc on vient de tout démonter, c'était avec un petit cache. Et donc ça c'est l'ancien capteur. Cette pièce là elle est dans celle-là, sauf que c'est cassé. Et du coup ça c'est le nouveau et il faut le remettre. Bon allez, je le remonte. Bon, les images que vous venez de voir au drone, c'est pas moi qui conduisais, c'était lui, parce que je peux pas faire tout en même temps. Bon, si c'était bien placé, c'est grâce à lui. Bon, par contre, il va falloir que tu me redonnes la place, c'est pas tout ça, mais... Bon, voilà. On verra d'un coup ce que je viens de filmer, si c'est beau. Bon, ça y est, il m'a enfin laissé la place, je vais enfin pouvoir reconduire. Bon, il reste plus grand chose du champ, il est déjà bien entamé. Il reste de là à là-bas. Voilà. Bon, ça y est, il finit sa passée et après on va attaquer les poids juste là-bas. Ils sont là-bas. Bon, par contre, j'ai besoin des transbordeurs, donc je suis encore au chômage. Bon, avec beaucoup de mal, ils ont arrivé à finir. Il est 23h, donc on rentre le tracteur à la ferme et on va se coucher. Allez, à demain! Bonjour à tous, aujourd'hui on est 18 juillet et je fais le plein.
peine de regret. Là, on est allé un coup sur le pont bascule la peser. Du coup, on a moissonné les regrets l'après-midi. Ça nous a pris presque toute l'après-midi. Donc, on a eu deux bennes. Donc, la première, on l'a vidée. Et puis, la deuxième, je vous l'ai filmée, on a vidé juste à côté. Donc, on l'a étalé au pousseur pour que ça s'ouvre pareil partout. Et du coup, pendant que j'étais en train d'étaler, ils ont attaqué deux petits champs de blé. Bon, ça y est, dernier transbordeur. Bon, il restait un fond dans la trémie, donc il me l'a revidé. Et voilà. Donc, on remballe tout ça, on range ça à l'hangar. On étale la coupe parce qu'on fait le champ juste là demain. Et voilà, on va se coucher. Allez, à demain. Bonjour à tous, aujourd'hui on est 19 juillet. Bon, je suis toujours avec le transbordeur dans les blés. Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 20 juillet. Et donc là, je suis au stockage à la ferme. Bon, du coup on a moissonné hier soir. C'est les deux gros tas là, il y a plus de 80 tonnes je crois à peu près. Et donc du coup, faut que je le pousse. Hier soir j'étais au transbordeur donc j'ai pas pu le pousser. Voilà, tout claqué au fond et aujourd'hui je vais avoir une paire de bennes de l'équipe avec l'Axial. Bon, ça y est, le stockage est en route. Par contre, ça va pas là. Ah, là ça va mieux. Bon, de toute façon, c'est la même installation que l'année dernière, ça va pas changer. Bon, du coup, comme le grain est tombé sur le côté, j'ai remis une petite planche. Bon, c'est provisoire, mais ça fera le temps de la moisson. Bon, en attendant les bennes, je fais un peu de montage vidéo. Comme ça, si vous n'avez pas la vidéo trop tard, c'est que je l'ai fait pendant qu'on stockait du blé. Bon, voilà, ça se remplit. Bon, voilà. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le 22 juillet. Bon, hier, il a plu. Je vous ai rien filmé. On n'a pas pu tourner. Donc, aujourd'hui, on a deux machines qui tournent pour nous. On va continuer à remplir ce tas-là, la case de côté et une petite case. Ramasse le petit ballon.
la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Ça fait pile un mois jour pour jour que je vous filme tout ce que j'ai fait. Bon, c'est pas tout ça, j'ai un montage vidéo à finir. Et je vous dis à la prochaine. Salut !